sais pas si grand que ça. Ah oui, tu crois? Pardon, allez-y. Ouf. Elle est différente. Très différente. Elle est ronde. Oui. Elle est plus riche. C'est plus riche. C'est des plus vieilles vignes. Merci. Bonjour. Cette c'est pour. Love this glass. Isn't that lovely? We're in a town called Manor, and we've just been like directed here by some guys in this awesome bar where we played pool. Donner l'ombre. Oui. Et vous lisez. En fait, donc c'est 14 parce que celui-là, ça allait à droite. Yeah.
Déjà, je suis dans le coteau de Dijon, en fait. Mm-hmm. Ok. Ma cuvée en septième, ça. Encore un peu. Cuvée, oui. Moi, j'ai des fermentations qui durent très longtemps, même les sucres. Durant l'hiver, ça fermentait toujours un petit peu, quoi. Ok. Voilà, donc là, ça, c'est possible qu'il y ait encore un peu de sucre. Et ils vont en jeter toujours très tard, ces blancs, quoi. Ils disaient, il fallait que les renards pissent dessus, quoi. Ah, à ce point-là. Voilà. J'attends peut-être pas ça, ce que les pieds soient un peu plus longs. Mais c'est la façon de parler, quoi, un petit peu, quoi. C'est une image, quoi. Et les vignes, ils sont âgés, alors, les vignes, ouais, ça, c'est 35 ans. 35 ans. Donc c'est pas encore trop vieux, mais... Donc ça c'est la même vinification, c'est juste... Ouais, c'est les plus belles vignes du domaine. Avant c'était tout en chimique en fait. Et moi je vois depuis 2014, la reprise du domaine, les vins sont beaucoup plus profonds, il y a plus de minéralité, il faut retravailler les sols, ouais. Ça n'a rien à voir par rapport au premier millésime. C'est quel type de sol? Beaucoup plus de profondeur. C'est argilo-calcaire. C'est plus franc. Après c'est vrai que les rendements ont chuté forcément à cause du bio, quoi, mais... Mais pour le coup, non, c'est mieux. Concentré, ouais. Ouais. Oui, c'est super. Ouais. Ah, génial. Donc, M. M-A-R, non? Oui, M-A-R-N-E. C'est là qu'il faut lire, en fait. Pardon. J'ai mes secrets, hein. Alors, je travaille beaucoup en grappant de chèvre, en fait. D'accord. J'ai rien fait le parcours. Donc pareil, ça c'est un rosé sans sucre. C'est un rosé de pressurage direct en fait. Ok. Ouais. Donc couleur, on voit. Ouais, un petit peu. C'est ça. T'es bien ou toi? Ouais. Le bois de terre. Oui. C'est beau. Ah, oh, c'est beau. Non, non. Tu fous de ma gueule. Merci. What did I say? So there's a lady in New York. Oh yeah, so there's a lady in New York who sells low percentages of alcoholic wines, so like 11 or 10%, so that she could sell more. See, I got tips. This is my favorite. Out of everything you've tasted, that white. Oh yeah. Oh my goodness. And it's so pretty. It's so sweet. On va goûter le vin qui fait 11 degrés. Allez. Oui. So you know, if I want to drink the whole bottle, we know it's a good sales technique. Mm-hmm. Oh, it's like Ribena. Really, it smells like Ribena. In the best way possible. What's Ribena? Ribena? Yeah. It's not cranberry. Blackcurrant. Okay. I don't know what blackcurrant is in French. Blackcurrant? Mûr. I think so, yeah. C'est ça, en fait. C'est des mûres. On est. Les gens disent que quand il n'y a pas d'alcool, le vin ne se garde pas, quoi, en fait. Ah ouais, okay, ouais. C'est très et, ouais. Mais bon, je trouve pas, quoi. Dans le temps, ils ne mettaient pas autant de sucre. Moi, j'écoute. Je sais pas si c'est... Ouais. Oh, ça sent trop bon. Yeah, it's beautiful smell. You know what it reminds me of? It's like brass. I have no idea why, but like I immediately like see gold brass when I smell this, and when I taste it as well. It's like that burgundy color, which makes sense for a burgundy. C'est buvable.
Oui, ça se voit, hein. Down it? Yeah. God. Good job. Thank you. Cheers. Oh, that tissue got me. It's so pretty. Of smelly socks. Do you want me to slide down? Yeah, please. Ah oui, elle Je le bois aussi. Oh. Délicieux. C'est ça que vous me demandez de vendre. Nous sommes ici. D'accord? Ok. Tu choisiras le côté de la feuille qui te convient mieux. Tu n'es pas obligé de répondre. S'il y a Ludwig, oui, voilà, j'ai des liens quand je rentre. Voilà, c'est ça. Une rivière. Ce sera très joli de faire une photo de cette tour parce qu'il y a la rivière qui passe en dessous. Mmh, c'est beau. Elle est très belle. Là, ça ramène ici. Bah oui, il y a un endroit, j'avais vu, il y avait plein de coccinelles. Sur un endroit où il y a une croix de quai, il y avait au moins 1000 coccinelles. Ah voilà, beaucoup de forêts, nous on a 3000 hectares. Ouais. 3000 hectares de forêt, d'accord. Un village à côté, là, ils font tout en bio, du comté bio. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on attend, oui, le film de... C'est pareil, oui, c'était quelqu'un dans la voiture. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée, on a vu de...
des fleurs. Et... Pardon ? On a juste vu des fleurs et on avait envie de prendre une photo. Elles sont tellement jolies. C'est le mieux. Mmh, with the claws, isn't it nice? Oh no. Did you hear this? Hey buddy. That's unbelievable. Approchez-vous. Là, la lumière et le nuage, c'est incroyable. Juste derrière. Ah ouais, c'est tous les soirs. C'est beau, hein? mais si vous montez là-haut, si vous... It rolls and flows all down the bridge. Easy for me. Il y a quelque chose de... Non, il y a quelque chose qui m'a... Quelque chose de magique. C'est extrêmement humain en même temps. On n'est pas habitué à ce type de relationnel. On aimerait bien que l'humain soit comme ça. Ils ont choisi de renoncer à tout ce qui est matériel. Ils sont arrivés à un niveau spirituel plus haut. Aller chez elles, la première fois, je me dis, mais c'est... elles n'ont rien et qu'est-ce qu'elles ont plus que moi c'est... Et vous avez du pain, et vous avez de la tarte à l'abricot, et vous avez un pudding à l'orange et un gâteau banane. Prenez un morceau parce que vous allez être en retard chez Valentin. Oui, c'est vrai que là on a traîné. Ah, il a juste envoyé un message pour dire 11h c'est mieux pour lui. Ah, oh, bah c'est parfait. Ah, bah c'est génial. Et bien alors prenez votre petit déjeuner. Trop bien. Oui. Parfois quand ça veut, ça. I feel like Marie Antoinette aujourd'hui. Alors la vinification qui est intéressante, c'est que c'est un vin qui s'est arrêté de fermenter pendant l'hiver 2015-2016. Et il n'est jamais reparti en fermentation. J'ai dû attendre les vendanges 2016. Et aux vendanges 2016, j'ai fait infuser dedans des mares, c'est-à-dire des raisins pressés. Oui. Sortis du pressoir, j'ai fait macérer dedans, infuser des mares pendant un mois pour apporter des nutriments aux levures. Et puis ça a permis de terminer la fermentation. Et c'est ça qui donne aussi cette aromatique très sur le fruit. Oui, sur le vin. Et c'est ça qui donne un peu quelque chose qui est un peu dissonant entre la bouche et le nez, qui sont un peu différents. Et c'est ça qui explique. Le nez, c'est floral un petit peu plus sucré. Voilà. Et en bouche, c'est minéral et un petit peu salé derrière. Voilà, la exactement, bouche. Exactement. Un petit peu citronnelle aussi, si je peux dire ça. Ouais, ouais, pas c'est dans ça. Le mauvais sens, mais juste. Je ne suis pas spilling ma main. J'ai un long breakfast. C'est unbelievable. J'adore. C'est la bouteille, elle représente la forme de la bouteille, enfin le volume de la bouteille, il représente l'équivalent de la perte de vin qu'on a pendant 6 ans de vieillissement. À partir d'un litre de jus de raisin initial, à la fin des 6 ans, il ne reste plus que 62 centilitres de vin. À cause de cette évaporation. Ouais. C'est dingue. Oh, that's amazing. Donc là, c'est beaucoup plus alcoolu, hein, puisque c'est pour ça qu'on le goûte en dernier. Puisqu'il y a du marc dedans, ça fait 17 degrés d'alcool à peu près. Par contre, là, les arômes sont intéressants. C'est fait avec du pinot noir et du trousseau. Pinot noir et trousseau. Oh, mais c'est... C'est bon. It's like hay. Comment on dit ça en français? Hay, la paille. La paille? Non. Foin. Foin, pardon. Oui, foin. Ouais, ouais, le foin. Ouais, ouais, tout à fait. Tu sais, quand tu marches dans la chambre, c'est l'odeur... Ouais, tout à fait, ça sent l'herbe mûre. Ouais. L'herbe mûre, ouais. Bon, ça c'est très bon. Mmh. Astronomique aussi. I'm not throwing that away. Even if it's 17%. Et vous allez faire à manger là-bas dans le restaurant? Ici? Il y aura à manger dans le restaurant? Ou c'est qu'un bar à vin? Non, c'est un restaurant, plutôt un bar à vin.
C'est non, c'est un bar à vin, mais avec le tapas. D'accord. Beaucoup de bar à vin. Ouais. Mais ça va être différent, on va faire la chose cantonienne ou asiatique en fait. Ah, d'accord, ok. Donc, bah, hey. Yeah. Yeah, he was super sweet. He just we just spoke again. He was like, yeah, come whenever, and I think we're gonna have a little stroll around and go through some of the paysage here and take some photos and stuff, and then we're gonna head over to Chiara at 7 o'clock and stay with him. Okay. C'est pas marqué sur l'étiquette, mais on a seulement mis sur le bouchon, parce que pour la loi française, pour marquer le cépage, il faut encore faire les papiers. Et on a été ramassé à la main avec les cagettes, okay. Et on a tout ramené en camion frigo. Okay. C'était une aventure. Ah oui, ouais, c'est le grand cuisine. Hein, oui. J'espère que... Il a peur. Rapide parce que cette cafetière elle est vraiment. Merci beaucoup. Tu vois ? Tout à fait. On n'est plus sur de la pierre bleue, on est vraiment sur du. De jeune. Un truc plus cassant, un peu jaune. C'est pour vous faire voir comme il y a du gaz. Tu vois voilà, ouais. Mais bon, on est obligé, hein. Ça, c'est toujours mieux que de mettre des produits chimiques, quoi. Ouais, c'est clair. Je l'ai jamais mis, moi. Enfin, ouais, mais t'inquiète, ça craint rien et tout. Et t'en avais, enfin voilà, il y a plein de vignerons qui sont morts de cancer. Il y a eu un médecin qui avait fait une étude, je crois, sur Lantigné, il me semble, c'est un village. Bon. Mmh. Et qui avait mis un peu en corrélation la mortalité des vignerons, et c'était impressionnant. Les mecs ils passaient par 50 ans, 50 balais, ouais, ouais. Ils crevaient tous. Et c'était à l'époque où ils balançaient du pyralesca, c'est l'arsenic de soude, qui ravage la vigne, qui l'a fait crever. Mmh. Et en fait, c'était un espèce de désinfectant, tu désinfectais le sol, toi. D'accord. Donc, il n'y a plus rien. Oh. Ah bah ça marchait bien, il n'y avait plus d'escar. Ah bah ouais, mais du coup. Le problème, c'est que les vignerons ils crevaient avec. C'est un peu le souci. Mais après, tu bois ça, après. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, ça reste dedans, quoi, c'est ouais. C'est le prix, ouais. Tu crois que mon grand-père en mettait pas tout. Parce que déjà, à l'époque, il disait que c'était quand même pas bien bon, quoi. Ah, ça se savait, hein. Ouais. Tu sais, les mecs, ils étaient pas cons non plus, quoi. Même s'ils étaient mal renseignés, je pense qu'ils se doutaient que c'était pas super, super cool. Hein. Du poison, ça reste du poison, quoi. Ah ouais. Les mecs, je fais tous des cancers de pancréas, je sais plus quoi. Ah merde. Et c'était top. Putain. Par contre, une bière, on fait du vin nature, on fume des clopes alors. Life goes on.
lover seem to really feel great when they're together. And when your love is without return, life goes on. Protect the other, that's not easy.